Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce mardi 6 septembre, un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Nancy. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 6 Imprimeur. Le cheval possède une belle carte de visite, déjà 10 podiums pour lui en 14 courses courues. Il a fait l'arrivée d'un Quintet disputé à Châteaubriant dernièrement. À mon avis, seul son numéro en dehors dans les stalles peut l'empêcher de jouer les premiers rôles. Je poserai le numéro 2 Kefin, un cheval confirmé à ce niveau. Déjà une victoire et cette place pour lui en 20 Quintets courus. Il a un bon numéro dans les stalles et devrait pouvoir tirer son épingle du jeu et à mon avis jouer également la victoire. Le numéro 9, Veo Calto, un cheval qui était l'ancien compagnon de couleur de notre favori Imprimeur. Il a rejoint l'effectif de Vaclav Luka après sa prestation dans une course à réclamer. Le cheval revient ici dans les handicaps avec une belle chance de réussite, lui qui affiche déjà deux places en 5 quintets courus. Numéro 5, c'est Octo King. Il est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais il y compte déjà 3 places en 6 prestations. Deuxième d'un quintet à Vichy dernièrement, devant Kefin, une performance qui l'autorise ici à nourrir de légitimes ambitions. Attention également numéro 12, Sindaco. Le cheval se plaît sur cette piste et de surcroît sur ce parcours. Il compte en effet 2 victoires et une place en 4 tentatives sur ce tracé. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 14, c'est Cantexel. Le cheval a peu de victoires. La seule victoire qu'il a obtenue a d'ailleurs été enregistrée dans une course à réclamer. En outre, il a surtout couru sur le sable au cours des dernières semaines. Cela dit, j'ai bien aimé sa prestation dans un quintet plus à Chantilly, courant juin, où il s'est classé deuxième. C'est un outsider intéressant. Numéro 7, Divin Léo. On ne le présente plus à ce niveau. Il va prendre part à son 58e quintet. Il y compte déjà 4 victoires dans les événements. Une victoire notamment obtenue dans un quintet à Châteaubriant dernièrement. Ce succès lui a valu d'être remonté de 6 livres sur le HL du handicapeur. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Je retiendrai également Dactylo, numéro 15. Elle n'a pas couru depuis le mois de juin, mais elle se comporte généralement bien sur sa fraîcheur et me semble bien située au poids. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet nancéen, 6, 2, 9, 5, 12, 14, 7 et 15. Dans la cinquième course, une épreuve à réclamer. J'aime beaucoup le 509. Dans cette épreuve, c'est Arizona qui retrouve le tracé sur lequel elle s'est imposée le 20 juillet. C'était à ce niveau de compétition une confirmation logiquement attendue, le 509. Arizona, elle devrait s'expliquer avec le numéro 7, Calary Solder, qui avait été dauphin, son dauphin ce jour-là. Mais également le numéro 2, Lady Pretoria, confirmée en pareille société. Elle collectionne en effet des bons résultats dans les sellings. Yvonne Volmer, dans la 6e, semble bien représentée. Elle est loin d'être négative avec le 612 Green Maidy, qui est un cheval régulier et de surcroît confirmé sur cette piste, et le 605 One Best Victory, laquelle avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, 612 et 605. Enfin, dans la 7e, je vous conseille en priorité le 709 Calidor. Le cheval a terminé 3e à ce niveau de compétition au mois d'août sur ce tracé. À mon avis, c'est un postulant sérieux pour les premières places, le 709 Calidor. Concernant Vire en Réunion 2, je vous conseille surtout le 214 Ténor de Bassière, qui reste sur une prestation de qualité à ce niveau. Il a en effet gagné une course réservée au driver amateur, c'était à Saint-Malo. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, confié à l'efficace Michel Poirier, c'est un choix prioritaire. Borelli, Marseille-Borelli, Réunion 4. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 208 Reine de Zac, qui à mon avis affronte des adversaires à sa portée. Elle qui avait remporté un quintet plus, c'était le 24 juin sur les pentes de Paris-Vincennes et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. Dans la 6e, confiance au protégé de Yannick Anabriand, le 604 Bonheur toujours, qui avait gagné très facilement sur ce tracé au mois de juillet et à mon avis qui constitue une base de jeu pour le trio. Le 609, Bellebrine, est à mon avis la jument classe du lot. Cela dit, elle fait une rentrée, elle n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais à mon avis, jugée sur cette performance de Vincennes cet hiver, elle a gagné d'ailleurs sur le plateau de Gravel, elle doit pouvoir bien faire d'entrée de jeu. 604, 609, Marseille-Borelli, Réunion 4, attention au 208, au 604 et au 609. Enfin, concernant Vincennes en Réunion 5, dans la 2e course réservée aux jeunes pousses aux 2 ans, j'aime beaucoup le 205 Everest Vedaquet, un protégé de Philippe Allaire. Philippe Allaire qui ne cesse de truster les victoires et les podiums avec ses 2 ans. Mais attention toutefois au 203 Héros Duchesne, on m'en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval effectue des bons débuts lorsque Clément Casseron s'en occupait avant qu'il ne quitte l'écurie Claude Wedge pour laisser la place à Julien Lemaire. Eh bien, il m'avait déjà parlé de ce poulain, un poulain qui sort de l'ordinaire, toujours estimé au sein de l'écurie et à mon avis qui devrait gravir les étages et se retrouver parmi les meilleurs de sa promotion. Donc le 203 Héros Duchesne à suivre dans cette épreuve réservée aux 2
ans, et pourquoi pas une explication que le 105 Everest Vedaké. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Vision Fromentreau, qui à mon avis, dans cette course réservée aux drivers amateurs, affronte un halo dans ses cordes. Le 706, c'est Vision Fromentreau. Voilà pour les infos de ce mardi 6 septembre. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.